Et coucou les licornes Carnet de voyage vers soi, J308 sur 365 Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Je me suis fait une liste tellement il y a de choses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 choses que je voulais vous apporter aujourd'hui. Hein On va essayer de vous faire synthétique on s'aligne, on se centre là, on se centre, on se centre, voilà, pour ne pas être en dispersion. Voilà, on se centre, hein, ok Voilà, on se centre et on ne se, on se met pas en dispersion. Alors, euh, par quoi je commence Par quoi je commence Par quoi je commence euh, Vous apportez déjà que euh, nous sommes tous des maîtres les uns pour les autres. Euh, vraiment. Pourquoi Parce que sur... Ce chemin d'exploration de l'être, libération de l'être, li libération vraiment, on accède à, 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 à de plus en plus de conscience. On est tous des, des maîtres les uns pour les autres dans le sens où euh, on veut bien observer tout ce qui se passe dans notre vie et prendre chaque chose comme une expérience qui vient nous raffiner, nous 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 permettre de nous libérer et d'en savoir encore plus sur nous. Euh, pourquoi <laughs> Parce que. <laughs> Coucou Valérie Avec la licorne. Coucou la licorne Voilà, j'ai la connerie aujourd'hui, de toute façon je l'active, même quand, quand je suis un peu dans l'inconfort. J'active l'accent au-dessus, et du coup, tout de suite, on s'amène aux mélodies chantantes, on, on appelle les Barbies, voilà, les Grégores de Barbie, on joue avec tout ça, et on s'amuse. Donc, euh, pourquoi on est tous des maîtres les uns pour les autres? Parce que, euh, parce qu'on apprend tellement, en fait, au, euh, en étant les uns avec les autres. Et quand on devient observateur, de nos expériences, de ce qu'on vit à chaque instant, euh, euh, pas dans le sens de toujours. Oui alors c'est quoi Comment Pourquoi Machin Non, on n'invite pas euh, le mental, notre personnalité euh, d'amour. Voilà, le mental et l'ego, ils ont assez bossé. Hein, ils ont bossé comme des débiles toute leur vie. Maintenant, c'est les inviter à aller dans leur hamac avec un pot de jus de coco, comme de Solène, et Tranquille, prends des vacances. Alors moi, j'ai tenté de faire ça tout à l'heure parce que euh, je suis en, en pleine réflexion sur euh, euh, sur mon activité professionnelle, sur euh, les partages que je vous fais. Voilà, parce que je me dis, euh, Sophie, écoute, il euh, y a un truc qui est pas juste en fait. Euh, tu partages, tu partages, co tu contribues. Alors bon, je pourrais mettre encore plus de purée mais ma purée elle y va pas complètement parce que en fait il y a un échange qui ne se fait pas. Voilà. Alors l'échange bien évidemment il ne pouvait pas se faire parce que moi mes, mes espaces de recevoir c'était tout bloqué hein. Là au cas où je sois en insécurité, j'ouvre pas mes espaces de recevoir hein, surtout pas. Voilà. Donc je partage, je partage et puis j'adore partager. Voilà, et puis quand quand je vois ce qui va arriver dans ma vie euh, je veux dire, je me dis, euh, bah, les partages vont devenir de plus en plus exceptionnels, en fait. Voilà. Et puis, euh, du coup, je me dis, bah ouais, mais j'ai pas non plus... Euh, je veux dire, les gens, ils viennent, et regardent et tout. Euh, mais il y a un truc qui est pas en justesse, euh, voilà, d'un point de vue multidimensionnel. Voilà. Parce que moi, tous les partages que je vous fais, c'est pas des juste des partages. Ce sont des partages multidimensionnels. Donc, d'un point de vue vibratoire... Dans l'énergie et un truc qui dit mais euh, l'équilibre il n'y est pas en fait voilà parce que parce que tu donnes tu donnes mais à un moment donné il euh, n'y a pas en fait de, de retour qui se fait donc il euh, y a un truc qui ne colle pas en fait bah bon, bref donc je me laisse faire parce que je ne sais pas trop comment faire dans une justesse pour créer des choses. Donc aujourd'hui, concrètement, euh, je fais des partages, parce que je dis je fais rien, mais c'est pas vrai, je fais des partages, voilà, je, tous les jours je fais des lives, dans l'Académie des Femmes Lumières, je suis hyper active tous les jours, tout ça. Donc je, je viens, je suis là. Mais au niveau de l'activité pro, je suis à zéro. Alice, l'équilibre, tiens donc, tu m'étonnes. Donc là, je suis en activité professionnelle. Ah, je, si on peut dire que c'est une activité professionnelle, parce que pour moi, en fait, euh, ce n'est pas du professionnel, C'est je m'amuse en fait dans ce que je fais. Donc, il y a un truc qui me dit, stop, donc je suis à l'arrêt parce qu'il y, y a des nouveaux, nouvelles intégrations. Je suis en train de télécharger des informations, comme beaucoup d'entre nous, pour, pour en fait ensemencer l'humanité de nouvelles euh, stratégies, si on peut dire. Coucou Corinne Hein, des nouvelles stratégies euh, euh, au niveau du déploiement de notre activité. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est pour ça que je disais mental, va dans ton hamac, prendre des laits de coco, hein, des jus de coco, parce que mais quand je fais ça, mental, alors il va dans son hamac un petit peu. <laughs> Elodie, ça me parle. <laughs> ouais, je sens que donc il va dans son hamac le mental là. Tu vois, il est bien, il se balance, et tout. Et puis, très rapidement, je le vois comme un débile, courir sur la place et tout. Et il dit, mais attends, mais comment on peut faire, comment on peut faire financièrement et tout, machin, et il cherche des trucs. Et moi, je lui dis, eh, mais calme, calme. Retourne, donne-toi un Mac. Parce que, en fait, le mental, toi, tu cherches par rapport à des codes et des référentiels existants. Mais ça sert à rien, ça n'existe pas ce qui va se passer. Donc, tu peux d'agiter dans tous les sens sur la plage et courir comme un, comme un débile ça sert à rien. Alors là, c'est me venu le temps maintenant des vacances. Vous savez, c'est comme les retraités qui ont travaillé comme des fous toute leur vie, puis ils arrivent à la retraite et ils, ils sont en burn, en, en, en burn retraite en fait, parce que ils sont. Mais qu'est-ce que je vais faire Voilà, j'étais active toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Bon, c'est un petit peu pareil pour mental. C'est euh, voilà, oh là maintenant, tu peux prendre des vacances, tu peux profiter, profiter du soleil, profiter de la plage, profiter du jus de coco, profiter des massages, voilà, profite, quoi, profite de la vie, quoi. Bon, mais c'est vrai que quand il a été en activité toute notre vie, il sait pas trop comment faire, hein, mais ça, ça, ça s'entraîne, en fait, hein, voilà. Donc, il faut aussi des entraînements tous les jours, voilà, pour, pour être cool, en fait. Et donc, quand on revient à l'intérieur de nous, à aligner, en à dire, OK, je suis à l'arrêt et c'est Tellement OK, en fait. Et moi, c'est la première fois de ma life que ça m'arrive d'être en activité zéro et c'est OK, en fait. Et je même, je kiffe ça. Alors, il y a un côté qui me dit oh, « Mais Sophie, tu adores contribuer quand même. Tu peux pas être à l'arrêt. » Mais si, parce que je suis en train de faire des téléchargements et pour accueillir ces téléchargements, il faut s'arrêter. Donc, il faut s'arrêter. Donc, je j'écoute, je, c'est tout. J'écoute, j'écoute. Et donc, ça me dit Sophie, laisse faire. Il y a des nouvelles lignes de temps qui t'attendent là, hein, comme un certain nombre d'entre vous, pour créer des nouvelles choses d'un point de vue financier. Et figurez-vous que tout à l'heure, je partageais avec nos copines, et que pendant que je partageais, oh là là, oh, il y a des trucs qui sont tombés. J'adore les partages parce que ça, ça pulse des nouvelles trucs et tout. Et du coup, je me disais, ah ben en fait, ce qui se passe, c'est que euh, financièrement, c'est ce qu'on ce qu me transmettait en information et c'est ce que je voyais. En fait, il y a l'ancien système financier, enfin, l'actuel on va dire, mais qui est dévié. Et il y a un, un nouveau système financier et là qui est aligné pour connecter le nouveau système financier, le déployer dans la matière, hein, parce que nous sommes en matière, nous sommes en incarnation, nous sommes sur cette planète Terre. Avant qu'il y ait une transition complète où il n'y ait pas d'argent c'est pas tout de suite' hein alors on est encore avec l'argent hein d'accord, mais je veux dire il euh, il y a neuf et demi humains sur dix euh, ils, ils brassent l'argent, mais d'un point de vue euh, dévié avec euh, des croyances avec euh, des stratégies euh, des plans, des pleins mais sauf que c'est pas comme ça que ça va se passer la transition donc nous on va faire une nouvelle transition. Donc on est un certain nombre, où on reçoit des téléchargements, de nouvelles choses, des de nouvelles, de nouvelles choses à déposer dans la matière pour faire des nouvelles propositions au monde, voilà. Et ces nouvelles propositions, de, comme je les capte aujourd'hui, ça va être non pas des prix un, un, qui sont figés, non pas des prix qui sont imposés, non, ça, ça va plus du tout marcher, hein, non, non, on n'impose plus rien, on arrête. Bon, ça veut dire qu'il faut être quand même sur une, une nouvelle conscience, hein, parce que que ce soit celui qui donne ou celui qui reçoit, là, au niveau de l'argent, ça va être. Il faut que ça marche dans les deux sens. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est capable d'impulser ces nouveaux systèmes financiers, eh bien, euh, on sait aussi définir nos espaces. Et du coup, parce qu'on va me dire bah oui, mais si tu proposes des prix libres, mais c'est au-delà d'un prix libre, je vais vous l'expliquer, de ce que je reçois. Au-delà d'un prix libre, on se dit, bah oui, mais tu comprends, aujourd'hui, euh, pour que la personne, elle reçoive pleinement, faut qu'elle paye beaucoup. Parce que plus tu payes et plus tu vas recevoir. Sinon, tu t'impliques pas dans ton développement personnel et dans ton introspection d'exploration de l'être de conscience. Alors, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est c'est pour ça que ça demande quand même d'être un petit peu avancé sur le chemin. Ça, je vous l'accorde, mais c'est notre job, en fait, à un moment donné. Enfin, pour ceux qui le veulent, hein, je veux dire. <laughs> voilà. Et donc, eh bien, on définit ces espaces. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, OK, moi, aujourd'hui, ça ne résonne plus de mettre un prix imposé. OK Et là, tout de suite, il peut y avoir la personnalité, le mental qui dit... Oh, oh, bah, ouais, mais qui tu vas avoir dans tes espaces? Ça va être n'importe quoi, tout ça. Ah bah ouais, mais non. et non. Parce qu'à un moment donné, en fait, on est aligné. On maîtrise nos espaces de mieux en mieux, hein. Voilà. Et on dit, voilà, moi, dans mes espaces, eh bien, moi, j'ai envie de vivre ça, là. J'ai envie de, j'ai envie de vivre ça, machin, tout ça. Et puis, j'ai envie d'avoir telle ou telle personne. Voilà. Ça, 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 c'est no way. Non, ça, ça, je veux pas. Ça, Ce genre de choses, je veux pas. Moi, j'ai envie de vivre telles expériences, de quoi j'ai besoin, j'ai envie de ça, ça, ça. Donc, ça va au-delà du mental. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, si c'était juste le mental qui disait, alors, je veux ça et ça crée ça, ça ne marche pas. En fait, c'est comme la manifestation. Tout à l'heure, j'avais une copine qui me regarde tous les jours, elle va se reconnaître, et qui me disait, Sophie, mais comment je fais pour manifester ce truc je lui dis, mais ok, d'accord, mais en fait, euh, tu crois à fond à ton truc tu as des petits doutes quand même Elle dit, ouais, j'y crois. t'as pas de doute du tout Tu es sûr de ton coup, là euh, Ouais, non, quand même. <laughs> bah voilà, bah, c'est mort. Voilà, parce que, dès que y a un doute, en fait, hein, puis conscient ou inconscient, ça, fait, ça grippe l'horlogerie qui est hyper précise. Et c'est mort. Manifestation, quitte euh, capoute. Plus de manifestations Donc, on définit ces espaces. Donc, c'est bah qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience, ce que je que je veux attirer dans mes espaces et puis qu'est-ce que je vibre aussi hein, parce qu'au-delà de ce qu'on intentionne, faut le vibrer donc pour le vibrer ça veut dire qu'on est un être aligné pour être un être aligné ça veut dire qu'on a vachement libéré qu'on a hyper déprogrammé euh, tous ces programmes euh, voilà qui qui étaient là qui nous empêchaient euh, d'être nous euh, d'une manière originale et véritable voilà et qui fait qu'on peut définir clairement nos espaces et donc à partir de là moi, de ce qui est juste pour moi et ce qui se profile pour moi, c'est de faire en effet plus de tarifs imposés, mais plus des tarifs avec un minima et un maxima ou même au-delà. Et c'est les, les gens qui rentrent dans mes espaces, ça va être en conscience déjà de, bah, ben moi, qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à ce que j'ai envie de recevoir et de vivre aussi. Euh, de là où j'en suis, hein, voilà, de euh, ok bah moi je rentre dans tes espaces et pour moi ce qui est juste parce que je me connecte à partir de l'espace du love love <laughs> de cœur hein, de ce qui est juste pour moi alors c'est sûr que si on a fait intervenir mental c'est mort hein, je veux dire mental euh, ok donc c'est pour ça qu'il faut quand même ce, que, ce dont je parle il faut être qu quand même un petit peu avancé ce hein, chemin de conscience hein, parce que je veux dire, si on demande à quelqu'un, c'est pas du tout de jugement, hein, mais si on demande à quelqu'un qui est pas du tout dans tout ça, euh, de dire, bah, écoute, oh, te donne ce que tu veux. Euh, ça va pas marcher puis de toute façon si on ne sait définir ces espaces on n'a pas ce genre de personne hein, parce que voilà enfin bref donc euh, ça dépend de ce qu'on veut vivre hein, et puis tout est ok il en faut pour tout le monde voilà moi je sais que ce que je vais vivre je sais ce qui n'est pas ok et ce qui est ok et du coup je fais cette petite soupe cosmique là voilà avec moi mes vibrations tout ça et euh, et puis je déploie bon bref donc tout ça pour dire que voilà euh, je, moi je vais aller sur un système plus de de, de voilà de ce qui va être juste pour les personnes qui veulent rentrer dans mes espaces voilà euh, donc ça c'est pour une, un côté peut-être plus accompagnement ou peut-être parce que là je me profile beaucoup beaucoup vers tout ce qui est vibrations sonores hein, voilà à travers mon chant euh, tout à l'heure j'ai communiqué qu'une copine ce matin alors ce matin je sais pas vous mais alors moi j'ai sondé tout le monde déjà je me suis réveillée c'était euh, je suis où J'habite où Qu'est-ce qui se passe <laughs> J'étais pas du tout dans mon corps en fait. J'avais, j'avais moi qui étais ailleurs, hein. c était ailleurs. C'était, c'était. Et puis j'arrivais pas. À le... <laughs> « Reviens, reviens dans ce corps. Je sais pas où t'es, mais t'es pas là. Donc je fais ce qu'il faut pour ramener Sophie, tout ça ici. Voilà, un, voilà, ancrage multidimensionnel, tout ça. Bref. Et puis euh, je check avec mes enfants. Eux pareil, pas dans leur corps. Voilà. Et puis, euh, et puis je reviens et euh, je demande à mon mari, euh, ça va <laughs> Il me dit ah non c'est c'est oh, j'arrive pas à me lever <laughs> j'ai oh ouais d'accord toi aussi <laughs> et puis après je check avec des copines euh, pareil je dis ok d'accord donc euh, c'est pas que moi c'est voilà c'est on je sais pas ce qui s'est passé cette nuit mais c'était intense en fait parce qu'on n'était pas du tout là bon bref et donc tout ça pour dire que euh, pourquoi j'étais allée sur euh, sur le matin ah oui donc j'échange avec une copine et tout ça hein, ça fait plein d'audio et machin et puis à un moment donné, j'étais en train de lui partager un truc, et je sentais que, <laughs> je sentais que mes mots d'humain n'étaient pas ok. En fait, je n'arrivais pas à lui sortir ce que je vraiment je, je ressentais, ce qui était là, avec des mots humains quoi. C'était non non, ça réduisait trop. Alors du coup, ça enclenche le, le langage de lumière. Donc je lui fais des petits langages d'avatar là. Et puis, euh, elle me fait un retour, elle me dit « Mais Sophie, mais Sophie, mais c'est incroyable en fait, parce que ouais, quand t'as fait ton langage de lumière, euh, ça m'a sorti du mental, et puis ça m'a tout de suite ouvert le cœur et tout, c'était incroyable. » Et oui, parce que le langage de lumière, mes amis, euh, vous savez ce petit langage euh, d'avatar hein <laughs> Oui, je sais qu'il y en a qui disent « Allez Sophie, euh, fais-nous un langage de lumière. Euh, » C'est moi qui décide, <laughs> voilà, c'est pas vous. Vous pouvez me faire en que vous voulez c'est pas vous, c'est moi. Euh, et donc du coup euh, ouais, on peut parler de la télépathie. Oh, J'ai tellement de choses à vous partager là. Euh, et donc du coup euh, voilà, le langage de lumière, on parle de cœur à cœur, d'âme à âme, surtout, il y a plus, il y a plus la le le l'enfermement le, le, du mot, du mot qui qui enferme. Voilà. Là, on est en train de vivre de plus en plus des choses qui sont tellement pas définissables avec des mots humains. Voilà, parce que quelque part, c'est au-delà de l'humain, c'est au-delà de la planète Terre, c'est, c'est, c'est galactique, c'est multidimensionnel, c'est, voilà, c'est, c'est très fort, c'est divin, c'est, voilà, c'est, il y en a qui reçoivent la grâce divine, et, donc, à un moment donné, on peut plus parler avec les mots, c'est plus possible. Voilà. Donc, j'ai fait l'expérience, je dis, moi, c'est incroyable, j'adore, c'est, c'est génial. Bref. Donc ça, c'est le langage de lumière. Euh, tout ça pour dire que voilà donc je ne sais pas encore comment ça va prendre forme euh, mais en tout cas euh, je sens bien que là il y a des nouvelles choses qui vont arriver pour moi de toute façon j'arrête pas de vous le dire mais je ne sais pas où je vais mais là tout de suite c'est ok je laisse faire tout est parfait en fait je kiffe ma life c'est quand même l'essentiel voilà Et ce que je voulais partager aussi c'est que aujourd'hui il euh, y, a, y a beaucoup de gens euh, parce que c'est c'est ce c'est un petit peu le retour aussi que j'avais aujourd'hui c'est qu'on parle de manifestation. mais en fait, à un moment donné, c'est quoi le plus important Enfin bon, après, je parle pour moi. Hein. Euh, c'est de, c'est d'avoir un million d'euros sur votre compte en banque <laughs> et puis euh, de, de pisser le sang, euh, d'être dans une grande souffrance et douleur, hein, ou alors euh, de kiffer votre life et d'être vraiment super bien en paix à l'intérieur de vous, parce que vous avez connecté que d'être en paix et aligné à l'intérieur de vous ou ah, bah de toute façon, par conséquence naturelle, l'abondance elle est là partout et puis euh, et puis euh, puis c'est trop du bien ça c'est vous qui définissez qui créez votre vie et tout en fait voilà et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont capté la manifestation de l'argent euh, donc qui qui déploient d'autres qui en parlent euh, ça c'est comme euh, bah je vous fais. Euh, voilà, venez chez moi, euh, je vais vous faire perdre du poids. Mais moi, par contre, euh, qui vous qui vous propulse ça, euh, je n'ai pas perdu de poids. Vous Voyez, c'est un petit peu ça. Bon, aujourd'hui, on est c'est le festival de sleep. Il hein, euh, y en a plein qui font des propositions, euh, mais en fait, ils l'incarnent pas. Bon, c'est comme ça. Hein, c'est le jeu de la planète. Hein, voilà. Donc, juste à un moment donné, euh, bon, c'est quand même cool d'incarner les choses. Mais en tout cas, pour moi, bah, ma focus depuis des années, c'était j'investis sur moi pour aller bien. pour je pensais même pas que c'était possible, hein. De ce que je suis en train de vivre, je sais pas. Je, mon mental, il connaissait pas, en fait. Il avait jamais vécu dans sa life, hein. Donc, euh, c'était, euh, ah ouais, d'accord. Oh, puis là, j'en sais quoi au début. Alors, je n'explique explique pas euh, d'ici quelques temps. Je sais même pas ce que je vais vous partager, mais bon, c'est déjà incroyable. Bref. Donc, à un moment donné, c'est, euh, moi, je choisis d'être en paix à l'intérieur de moi, en fait, hein, d'être en d'être en équilibre, les parties de moi qui sont équilibrées, réunifiées, d'être dans la joie, la légèreté. Euh, coucou Sophie, euh, voilà, moi c'est ça le principal. Donc du coup, euh, la manifestation de l'argent, euh, ben, c'est bien joli, mais on sait bien, on sait bien qu'en fait. Euh, Enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, voilà, avoir beaucoup d'argent pour pourquoi, pour, pour fuir en fait, parce que tu te dis ah oh, super, quand j'aurai de l'argent, je vais pouvoir aller sur une île au bout du monde et ça va être trop 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 le kiff de la life. Et puis en fait, bah comme on n'est pas bien du tout à l'intérieur de nous, eh bah, ben on a plein d'argent et puis on va à l'autre bout du monde sur cette fameuse île. Et là, on s'aperçoit qu'on est toujours dans une profonde détresse intérieure. Et que ça va pas changer le cheminlique en fait eh bah oui parce que c'est pas voilà c'est c'est faut tout est à l'intérieur en fait il hein. y' a rien à l'extérieur euh, voilà tout ce qu'on va ce qu'on se sert à l'extérieur et qu'on va chercher à l'extérieur pour nous remplir euh, bah c'est qu'on a encore de l'exploration à faire en fait parce qu'à un moment donné on connecte la sécurité intérieure la liberté euh, l'unification euh, euh, la paix, euh, le calme, euh, la joie, la légèreté, la simplicité, l'authenticité. On retrouve qui okay, on est véritablement, voilà, notre être originel. Hein. Et puis on a, on a, voilà, tous ces, tous, tous ces anciens nous, euh, ben, ils sont partis, voilà, dit coucou, au revoir, hein, voilà. Et puis on est notre nouveau soi qui émerge. Et ça, c'est moi, pour moi, c'est ça, la, la vie. Et puis surtout, euh, on est dans une incarnation quand même. où, où je veux dire, on est en libération de l'être, et pour une nouvelle humanité, une nouvelle humanité, c'est pas avoir de l'argent, parce que là, on est encore avec le système dévié, bon sang, c'est non, c'est euh, impulsant ces nouveaux codes, et en ce moment, des nouveaux systèmes financiers, mais pas déviés, alignés, vous voyez comme ça change tout Et du coup, voilà, on va aller petit à petit vers euh, des nouvelles façons euh, de vivre et, et avec l'argent, voilà, et puis petit à petit, l'argent va, va s'effondrer, partir dans, dans une poubelle cosmique. Parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait, on n'en a pas besoin et que tout ça, c'est que du virtuel en plus. Je veux dire, c'est tellement du fait qu'en fait, quand quand on voit le truc... Hier, mon mari, il était sur une application, puis je voyais des sommes. Et je disais, c'est quoi Il me dit, ah ben alors là, tu vois, c'est tout notre patrimoine. Et puis là, euh, voilà, euh, c'est tout. Enfin, il m'expliquait tout et je disais, mais ça, en fait, c'est que des chiffres, quoi. C'est tellement... Euh, ça veut tellement rien dire, en fait. Voilà, et puis il me dit... Ouais, c'est vrai. <laughs> ouais, tellement en fait. à un moment donné, euh... en fait, à un moment donné, quand on avance sur le chemin de conscience, il y a plein de choses qui, on se dit, mais, mais on nous a vraiment pris pour des lapins de six semaines, en fait. Et puis on y a tellement cru, c'est incroyable. Et puis on était dans ce jeu, en fait, dans ce game de, 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 voilà, de cette petite humain robot là. Puis on, on était, on était dans le truc les petits Sims, en fait. Ah bah oui, ah oh, il est, il est six heures du matin. Il y a le réveil qui sonne. Vite, je me lève. Et puis Allez, je, je rentre dans mon costume et puis je vais travailler. Ah, pourquoi je vais travailler bah Pour faire entrer des sous. Et pourquoi faire entrer des sous Pour payer les factures en fait et puis pouvoir se nourrir aussi. Et puis pour pouvoir acheter un iPhone à 1000 euros et puis une télé écran plat à 2000 euros parce que c'est tellement important d'avoir ça chez soi. Voilà et, euh, et puis euh, et puis pour pouvoir partir en vacances aussi voilà parce que c'est c'est important de partir en vacances euh, voilà alors je vais travailler comme un fou ouais j'ai une vie complètement euh, ah, je cours je cours tout le temps voilà et puis il faut que j'emmène constamment mes enfants à droite et à gauche pour faire euh, tellement de sport j'ai un peu plus mais de toute façon j'ai pas le choix c'est comme ça c'est la vie et puis on y a cru et puis oh Génial, on va bientôt être à la retraite, dans 40 ans. Ah merde, ça, c'est en train d'être repoussé. Encore 50 plus, oh my god, mais comment je vais faire? Ah oh là là, on y a tellement cru, à tout ça. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas ça, que, ah oh là là, c'était, c'était, en fait, un game qui était pas du tout rigolo, en fait. Et qu'en fait, il y a un nouveau game qui nous attend. Oh là là, c'est le game de la libération de l'être. Et puis, c'est le game, après, de l'être qui est libéré et qui joue avec le game de le game. C'est un nouveau monopoly, Voilà. Alors, nous, on vient créer, en fait, des nouveaux billets. Voilà, des nouveaux billets avec la conscience alignée, avec l'énergie, les vibrations. Avec... En fait, on va être sur... Euh, euh, il y a le système d'argent euh, dévié qui 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 n'est pas du tout euh, en pureté. Et puis il y a le nouveau nouveau système d'argent en pureté, qui est de très grande lumière. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Donc euh, le nouveau système financier, c'est nous qui allons le créer, hein, nous les petits êtres de lumière, hein, voilà. On va créer le nouveau système financier, voilà. On va impulser plein de nouvelles choses et puis qui vont tellement bien fonctionner que bah après tout le monde va va utiliser euh, des nouvelles choses en fait mais c'est vrai que pour les mettre dans la matière bah il faut les télécharger les informations puisque que partout vous croyez que les idées c'est les vôtres euh, bah non hein, je suis désolée euh, non c'est c'est des téléchargements qu'on nous fait hein, voilà et donc de coup, pour recevoir euh, toutes ces idées eh ben, euh, il faut faire de la place. oui, je suis désolée, il faut faire de la place. J'adore ton accent. Voilà. En fait, euh, Anne, euh, ma sœur euh, hein voilà que j'ai retrouvée ma sœur euh, qui fait aussi. Euh, <laughs> eh ben, en fait, euh, avec euh, Miriam, on, 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 on a capté que ça faisait tellement de bien de mettre, vous savez, un costume. Hein, quand ce costume, on se met dans l'énergie du costume. Et nous, euh, en fait, euh, pour alléger énormément notre quotidien et pour faire des crises de rire, parce qu'on se, se pète de rire, franchement, alors on n'arrête pas de parler, on échange avec nos Barbie Conas, nos Barbie Poufias, nos Barbie Paillette, avec les filles, les licornes et tout, euh, avec cet accent, et on est pété de rire, en fait, et ça fait tellement de bien. Que du coup on n'arrête pas de prendre ce costumes parce que ça fait trop du bien en fait et par par la joie et la légèreté eh ben on vient dissoudre en fait aussi ça fait partie du chemin de libération de l'être donc c'est tellement important de se péter la tranche en fait voilà non pas que de l'alcool non c'est fini ça hein, c'est pareil hein ça c'était dans le game d'avant voilà non 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 pas d'alcool euh, ça c'est pas bon pour la santé au-delà de la santé votre être je veux dire votre être multidimensionnel, euh, c'est pas OK, hein, l'alcool du tout. Euh, ça, c'est des trucs pour euh, qu'on nous a fait croire aussi. Euh, faut profiter de la life. Euh, tiens, puis surtout aujourd'hui, on euh, va te mettre un bon verre de vin avec plein de pesticides dedans. Mmh, ton corps, il aime. Bon, après, peut-être qu'avec une petite intention dessus, vous pouvez dissoudre les pesticides avec le pouvoir de votre pensée. Je veux dire, aujourd'hui, la pensée est tellement forte. On a tellement de capacités que, ben, en fait, vous pouvez peut-être, euh, enlever euh, tout ce qui n'est pas ok pour votre corps en amont. Voilà. Parce que ça aussi, c'est des expériences, en fait. Parce que tout est ok, tout est expérience. Voilà. Donc ça, c'était le côté de l'argent, en fait. Qu'on va vraiment sur des nouveaux systèmes. Et donc, euh, mais ça demande d'être aligné. Et en fait, euh, nous avons une grande guide sur ce chemin. Euh, voilà j'en parle beaucoup parce que c'est un bel exemple voilà et qu'elle elle incarne parfaitement tout ça c'est Anne Solène voilà donc Anne Solène euh, euh, elle est euh, incroyable voilà ces espaces peuvent être confrontants <laughs> voilà et moi j'en ai fait les frais le week-end dernier mais c'est tellement cadeau en fait c'est multi cadeau quand on veut bien une fois de plus euh, sortir de son personnage de sa personnalité du mental Observer ce qui se passe quand on est dans ces espaces et que ça peut être très confrontant. Et qu'est-ce qui nous confronte? Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui est pas ok? Voilà. Et souvent c'est pas que c'est pas ok euh, parce que vous savez il y a le c'est pas ok par exemple vous rentrez dans un, un accompagnement et l'accompagnant eh ben il n'est pas du tout bienveillant avec vous. Là c'est pas ok en fait. Et là je me barre de l'accompagnement parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on ne soit pas bienveillant avec moi. Ok? Mais il y a et ça c'est on va dire 95% des fois où les gens ils nous énervent, où on est dérangé, on a envie de se barrer et tout. Et ben c'est simplement parce qu'on nous déclenche. Et pourquoi ça nous déclenche Parce qu'il y a un truc à l'intérieur de nous qui demande à être vu et à être transcendé. Voilà. Donc dans la matière se manifeste telle ou telle chose pour qu'on puisse voir ah bah tiens ça ça me déclenche ça m'énerve ça m'agace euh, qu'est-ce que je fous là machin pour aller le voir voilà et plus euh, on devient observateur et plus on est en conscience de ce qui se passe ah bah plus c'est fastoche, en fait et plus euh, on désingue et plus on désingue et plus on est léger et plus on est léger on, on est avec notre être unifié enfin bref c'est le cadeau des multi cadeaux en fait à un moment donné voilà donc tout ça pour dire que euh, euh, voilà, y a, y a, y a, on a beaucoup de choses à venir visiter euh, pour beaucoup cet espace du corps et du recevoir qui est complètement emmuré. Euh, voilà parce que euh, ben parce que euh, nos, nos espaces ont été envahis, intrusés. Je ne sais pas s'il existe l'intrusion intrusée, mais moi j'aime bien dire les espaces intrusés. Voilà, euh, ils ont été souillés, tout ça. Et notre corps, il est porteur de, 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 de blindes, de multimilliards de mémoires à évacuer. Alors, il y en a plein qui se font toutes seules, et puis il y en a qu'il faut aller explorer. Voilà. Donc, quand on est prêt, ben, dans la matière, il se passe une expérience qui vient fortement nous chahuter pour qu'on aille la voir, qu'on aille l'embrasser, le faire un gros câlin, et qu'on l'accueille, qu'on l'accepte, qu'on lui dise, merci, expérience super pourrie d'arriver et de me foutre dans un gros inconfort de merde, euh, mais je t'accueille quand même, je t'embrasse, merci, et puis bon, euh, et salut, hein, euh, dès que tu peux. <laughs> voilà. Bref, et puis, et puis ça part. Et puis on a transcendé et puis on passe à autre chose, en fait. Voilà. Ça, c'est notre chemin de libération de l'être. Voilà, donc ça, c'était pour tout ce côté-là. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, euh, Les symptômes. Les symptômes. Alors, les symptômes, euh, aujourd'hui, euh, Merci de laisser les gens qui ont des symptômes avec leurs symptômes, dans le sens que il euh, y a des gens qui ont des problèmes de, de physique. Bon, pas beaucoup, hein. Il y a quasiment personne sur cette planète qui a des qui a des problèmes physiques, hein. Voilà, on est tous des êtres en pleine santé parce qu'on est tous réunifiés, en fait. Voilà. Euh, donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui a un problème physique, nous, on a été aussi dans le game où on nous disait. Bah, quand tu as un symptôme, tu vas voir un médecin qui a fait des de grandes longues études et qui va te donner un médicament qui va venir te guérir. Mais bon, ça, c'était dans l'ancien game. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. Parce que, et puis surtout actuellement, parce que ça pète à la gueule de tout le monde, parce qu'on parce qu met des couvercles sur les symptômes. Parce que quand on a quelque chose qui se présente dans le corps, bah, C'est un message de corps qui nous dit, Hey, tu veux bien les regarder d'une manière holistique la racine de ce qui, euh, de ce qui se joue là Voilà. Et euh, nous, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, euh, j'ai mal à la gorge. <laughs> mon mari, quand il a mal à la gorge, il prend des pastilles, il drill. <laughs> Oups. Alors moi, je ne dis rien. Je le laisse faire parce qu'il sait très bien que moi, ce n'est pas du tout mon truc. Et la preuve est qu'Eliott, il avait une oreille, il n'attendait plus depuis un mois. Et, mais je l'ai déjà raconté, il était chez le médecin parce que parce qu'Arnaud me disait « il m'a fallu faire voir quelqu'un en fait là, il n'entend plus ».« Ouais, c'est vrai, t'as raison ». Alors j'ai pris rendez-vous et puis quand on était dans la salle d'attente du médecin, euh, je me suis dit « mais Sophie, quelle courge <laughs> Pourquoi tu ne connectes pas pour avoir les informations ?» Alors je dis à Elliot, tu veux que je me connecte Allez, j'y vais quoi » et là je reçois tout ça puis euh, elle bon bah c'est 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 parce que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur donc tu plus parce que en fait tu t'écoutes pas reprends ton pouvoir bon sang. voilà personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi donc tu arrêtes même nous tu arrêtes de nous écouter et euh, de de nous donner le pouvoir et euh, tout le monde d'abord c'est toi et toi seul voilà et puis le médecin on lui donne des gouttes et tout et puis euh, et il ne les a pas prises, les gouttes, mais moi, je ne le savais pas. Et puis, au bout de 3-4 jours, je lui dis Éléotte, comment ça va ton oreille et Il me dit Ah ben, c'est bon, tout va bien. Je dis Ah bon euh, T'as mis tes gouttes Il me dit Non. <laughs> il me dit Je m'écoute. Oh, mais c'est incroyable, ça. Eh ben oui, voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, euh, je veux dire, euh, tout ce qui se passe au niveau du corps, ben c'est des messages. Voilà. et Le corps, euh, ben, aujourd'hui, il a besoin d'être réparé. Hein. Et il y a du taf hein, je vous le dire hein, parce quau delà des symptômes après il y a le corps la structure physique. Moi je suis en plein dessus hein, Donc c'est pas pour dire qu'il y a du taf. <laughs> c'est incroyable, on est tellement maltraité ce corps, mais on n'en a même pas conscience euh, que du coup euh, que du coup bah voilà le, le corps, le corps le corps il a besoin d'amour, euh, voilà, on a besoin de l'aimer. Mais comment on fait pour s'aimer Comment on fait Comment on fait Voilà, bah pas après pas petit scarabée. Voilà, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire des coups. Sinon, on finit euh, en Asie psychiatrique euh, parce que ça nous ferait complètement péter les durites de partout. Donc, pas après pas avec corda, mon chéri, d'accord? Donc les symptômes, et eh bien les symptômes, les gens qui ont des symptômes, il y en a plein qui ne sont pas prêts à entendre que, euh, bah oui, va regarder le message que tu as dans ton corps. On dit n'importe quoi, celle-ci, ok. » Donc nous pouvons être juste invitation, bah écoute, tu peux peut-être aller regarder euh, ce que te dit ton corps, voilà, avec de l'humour, hein. invitation pour l'autre toujours, hein, pas d'ingérence, ah mais écoute, euh, moi ton corps, je me connecte et j'ai ça, il se passe ça, tout ça, attends, je vais te faire un soin, euh, mais que dalle, arrêtez avec tout ça, c'est le sauveur voilà, je vais aider tout le monde, machin. Je suis dans mon égo spirituel euh, qui qui veut absolument, voilà, je sais faire et je, je vais aider toute l'humanité tout entière. Bon, je rigole de ça parce que moi je l'ai fait, hein, bien sûr. <laughs> voilà. Euh, donc, et du coup, c'est de laisser l'autre dans son expérience. On l'invite, peut-être, ou peut-être pas, selon ce qu'on sent, ressenter. Et l'autre, s'il y a une ouverture ou s'il n'y en a pas, et puis voilà, bah, peut-être que tu peux aller, euh, euh, c'est il y a un message, tu vois, moi c'est ma vision des choses parce que moi je, je fais ça, moi tu vois je, je vais regarder avec mon corps et tout ça, et puis l'autre après il en fait ce qu'il veut en fait, s'il veut prendre ses médocs ben il prend ses médocs, c'est son expérience et donner, lui, redonner lui son pouvoir son putain de pouvoir de je, de, 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 de que l'autre il est en train de vivre une expérience et s'il la vit comme ça, c'est qu'il a les ressources pour dépasser, transcender cette expérience, bon sang voilà donc, c'est tellement cadeau de laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc, nous sommes seulement à invitation. Euh, voilà. Euh, donc, ça, c'était euh, pour le côté corps. Et euh, donc, il euh, y, y a beaucoup à faire. Donc, le corps, bah oui, c'est d'aller regarder d'un point de vue holistique la racine de ce qui se passe. Parce que vous pouvez mettre tous les médocs que vous voulez, ben, ça va se repointer autrement, différemment, et puis encore plus en mode comme ça. Voilà, parce que le corps, le corps, il est amour, et le corps, il est amour, et le corps, il nous donne plein d'informations parce qu'elle soutient avec nous. Voilà, ce pas pour nous faire de mal, euh, ce n'est pas parce qu'elle est méchante, il n'y a personne de méchant, oh, c'est juste qu'il est là pour nous soutenir. Donc, euh, comme on ne l'écoute pas et qu'on ne va pas recevoir les informations multidimensionnelles, et bien du coup, euh, et ben, il nous donne des douleurs, parce que quand on est avec des douleurs, du coup on se dit « mais qu que se passe-t-il » on, on est là, en fait, parce que sinon on va pas y voir, voilà. Et que quand on fait ces explorations multidimensionnelles, ben, le corps, du coup, il nous laisse tranquille, parce qu'il n'a pas besoin de, de, de nous donner de la souffrance, puisqu'on va chercher les informations autrement, vous voyez Donc ça, c'est tout des concepts aussi nouveaux, hein? Voilà, c'est très, très nouveau. <laughs> c'est très, très nouveau. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler Tant pis si je fais un live de deux heures. Hein. Alors, tant qu'on est avec le, le, le corps, ah oui, le corps, le corps. Alors, moi, le corps, depuis quelques mois, je pense que j'ai pris largement 5 kilos. Alors, j'ai mon ventre qui gonfle, voilà. Alors avec miriam on, on en rigole parce que toutes les deux, on a tout, tout ventre qui gonfle, on a l'impression qu'on est enceinte et tout, c'est horrible. Euh, et en fait, euh, on se dit, euh, je ne sais pas de quoi on va coucher, mais on va coucher en fait, hein, voilà. Et euh, en fait, à un, moment de, de, à un moment donné, le corps, euh, bah, c'est de le laisser tranquille aussi parce que si vous n'avez pas bouffé, euh, je veux dire, toute la journée des Mars, euh, des Smarties... Euh, voilà, euh, des, des frites euh, et des hamburgers, euh, que vous n'avez pas trop changé de choses à votre vie et que le corps y prend du poids. Eh bien, c'est que ça doit se passer comme ça, qu'à un moment donné, il faut le laisser tranquille, ce corps, de toujours vouloir le contrôler, qu'il soit parfait, euh, sous la perfection des barbies plastiques, qui nous ont mis une ligne directrice sur le corps avec des gros seins, avec une taille très fine, des jambes très longues, pas de cellulite. Et oui, parce que les barbies, elles ne se jugent pas. Parce que moi, on m'avait dit, euh, toute la cellulite, c'est tous les jugements que tu as. Oh, mon Dieu, ah bon! D'accord. Eh ben, la Barbie, elle se juge pas. Non, elle adore son corps. Moi, je m'aime trop. Je m'aime trop. Je m'aime trop. Et puis, j'aime trop les autres aussi. Et du coup, je suis parfaite. J'ai des jambes et j'ai de la cellulite nulle part. Voilà. Et donc, nous, qui avons joué au Barbie, moi, très tard, j'étais adolescente quand je jouais encore au Barbie. Eh ben, moi, j'étais love de cette Barbie, de son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça m'a fait complètement péter les durites de vouloir être comme la Barbie. Et oui Donc j'ai contrôlé mon corps en hyper-contrôle. Parce que si j'ai ce corps comme la Barbie, on va m'aimer. Que, si que si je suis avec des formes et tout ça, ben, on va pas m'aimer, on va me rejeter. Moi j'avais trop de blessures et de traumas, de rejets, d'abandon de, de, et tout ça. Ah, ce n'était pas possible. Donc je l'ai hyper-contrôlé, son corps. Mon corps. Je l'ai maltraité. Et alors maintenant, j'ai fait tout le contraire. Oh, mon petit ventre d'amour, <laughs> moi aussi. Merci Valérie de témoigner de ça. C'est grande contribution pour tout le monde. Voilà, parce que euh, c'est tellement important de partager ce qui se passe. Voilà, donc le corps, bah eh ben, oui, oh, mon ventre, voilà. Bah oh, ben, mon ventre, je t'aime comme ça. Puis si t'es comme ça, bah ben, c'est que tu vas être comme ça. Et puis, bah oui, c'est vrai qu'il y a des choses dans la penderie. Euh, bah moi, je suis un peu obligée aujourd'hui. Enfin, c'est pas que je suis obligée, mais c'est vrai que par exemple, mes pantalons slim, là, hein, vous savez les skinny là, qui moulent de partout après petite bouée d'amour qui s'entoure qui qui me dit hey, coucou euh, comme ça tu peux pas couler <laughs> ouais d'accord ok euh, et là je me sens pas bien dedans alors du coup bah je les porte plus je veux dire je suis pas mazo non plus alors du coup je mets des vêtements je me sens à l'aise dedans voilà c'est tout voilà alors je mets des trucs peut-être vous savez avec les ceintures smoquées là les, les, les ceintures en élastique hein. mmh, on est bien dedans on, on se sent pas vous savez empaté là euh, voilà donc euh, c'est euh, ok bah c'est comme ça j'accueille, j'accepte euh, et puis, puis peut-être que ça passera peut-être que ça passera pas et qu'en fait et eh ben c'est de l'acceptation ça aussi voilà mais c'est super dur moi je sais qu'il y a quelque temps on me disait euh, Sophie accepte-toi comme tu es oh, mais comment je fais voilà c'est pas possible et et même je vous partage mes cheveux mes cheveux, c'est pas ben ma couleur naturelle, ça. Moi, depuis l'âge de 25 ans, j'ai des cheveux blancs, hein, d'accord? Alors, je fais des couleurs tout le temps. Alors, je les fais moi-même, je me fais toutes les trois semaines des couleurs, ok? Et puis, ce week-end, bah, ça tombe bien, parce qu'on peut ça regarde mes lives maintenant. Je rencontre une sœur chérie d'amour, d'âme aussi. Oh là là, et puis elle, elle avait tous ses cheveux, comme ça, au poivre et c'était magnifique. Oh là là, je suis tombée amoureuse de ça. Et alors, je lui dis, oh là là, mais, ah oh, qu'est-ce que c'est beau en fait de, de, de ta couleur comme ça tu t'as tu, laissé tout naturel et tout on en a parlé je lui ai dit mais tu me réconcilies avec euh, les cheveux poivre et sel en fait et puis elle m'avait vraiment réconciliée. Je me dis, "Ouais, je vais, je vais, pour mon tour du monde. Euh, voilà, je me disais, mais comment je vais faire avec mes couleurs C'est la fille encore euh, pratique pratique, quoi. Hein Moi, j'adore cette couleur, je vais la gardais et tout. Comment je vais faire en faisant le tour du monde pour faire une couleur toutes les trois semaines Un hein peu des coupes de cheveux, enfin bref. Et euh, et là, euh, du coup, je me dis, ah, oh, mais génial Ça va être l'occasion le tour du monde. Oh, je me laisse. Euh, les cheveux à poivre et sel qui poussent naturellement, je fais plus de couleurs Et puis après, il y a un truc qui m'a rattrapé qui m'a complètement fusillé. Le truc, ça m'a connecté à ma mère. Et là, je me dis, mais j'ai pas du tout envie de ressembler à ma mère en fait. Ma mère, elle a les cheveux poivre et sel. Alors du coup, ça m'a branché à elle. Et j'ai dit, mais non, mais non. Alors du coup, faut que j'aille, faut que j'aille déprogrammer ça. Voilà, parce que. Je veux dire, euh, même si on a la même couleur de cheveux que quelqu'un d'autre, bah, on n'est pas pareil. Hein, on est tous différents. Bon bref, ça c'était le petit côté pratico-pratique. Euh, voilà. <laughs> euh, et euh, ce que je voulais vous partager, alors je regarde hein, parce que j'avais beaucoup de choses. Euh, casque, ah oui, alors, le corps aussi. Après, euh, je crois que je vous ai dit sur le corps euh, ce matin, je veux faire des courses. Et ce matin, euh, en fait, dans le magasin bio, il y avait des fraises. <laughs> Et puis elle me disait, prends-moi, prends-moi, Sophie. Ouais, merde, c'était 8 euros les 500 grammes. Je dis quand même, c'est cher, quoi. Et ça me disait, prends-moi, Sophie, tu ne vas pas le regretter. Et puis je me disais, mais Sophie, profite de la life, sans déconner, quoi. Je veux dire, tu vois bien qu'elle t'appelle, ton corps il dit oui, prends-les, quoi. Alors je les prends. Et alors, en fait. Quand, je, quand je, je, les ai mis à ma bouche. Oh, mais alors, c'était une jouissance terrestre. Vous savez, les papilles qui sont là. Ah, oh, mon Dieu, comme c'est bon, comme c'est bon, comme c'est bon. <laughs> Et là, tu te dis, mais ben, ça vaut 8 euros quand même, ça sans déconner, d'avoir ce plaisir-là. C'est important d'avoir du plaisir dans la vie. Donc, c'est quoi nos priorités? Eh ben, moi, c'est de mettre 8 euros sur une barquette de fraises, de, 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 d'être en conscience quand je mange mes fraises, voilà, de pas bouffer la barquette non plus comme ça, ou pas en conscience, on la mange en conscience, et on nourrit tous nos corps. Le corps physique, les corps énergétiques, notre âme, nos sens et tout, tout le monde en prend plein les papilles. Donc c'est le top. Voilà. Donc c'est cité à petite parenthèse sur le corps, de comment on nourrit le corps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre, euh Assis ah, pour continuer sur le corps, euh, je voulais remercier euh, Dominique qui se reconnaîtra, euh, qui m'a euh, parfaitement bien conseillé et partagé des fleurs de bac par rapport à, à mes traumas, voilà, d'espace de, 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 souillé, abusé, etc. Et euh, du coup, je bois tous les jours j'ai une gourde et dedans je mets des fleurs de bac et je bois de l'eau avec des fleurs de bac et c'est absolument merveilleux, donc merci euh, merci pour ces contributions qui me sont données par, euh, par les gens qui me suivent, c'est trop mignon et ça me fait trop du bien euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, par rapport à euh... ah oui je reviens sur mon voyage <laughs> sur mon voyage au Sri Lanka et aux Maldives parce que euh, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Euh, avant, j'organisais tout. En fait, c'était. Euh, je prends un vol sec et j'organise tout mon mois de voyage de A à Z. Et là, en fait, pour ceux qui me suivent, vous voyez que c'est assez épique tout ce qui se passe et que comme je me laisse suivre, <laughs> guider par ce qui est, je vois bien que ça m'emmène pas du tout où ça m'emmène d'habitude. Et du coup, ça s'est fait confiance. Et donc. Euh, euh, on va faire euh, les trois semaines au Sri Lanka. On va louer un tuk-tuk et on va tout faire en tuk-tuk. Et puis je contacte un français euh, à, au Sri Lanka et me dit ah bah ouais mais non euh, euh, un tuk-tuk pour cinq c'est pas possible il va en prendre deux. Et là je fais quoi 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 Ça veut dire que moi faut que je conduise un tuk-tuk que je vais faire 1000 kilomètres en tuk-tuk. Moi conduire des tuk-tuk sur des sur des pistes et sur des trucs mais comment je vais faire et alors là, c'était mental, c'était la personnalité qui disait mais non, mais non, mais non. Et mon corps, en fait, il disait oh mais oui, ça va être l'expérience de dingue, ça va être le kiff total, tu vas vivre des trucs incroyables. Et alors du coup, bah oui, dans ces cas-là, c'est c'est à qui on donne le lead en fait, à notre corps ou, ou à notre mental. Et puis euh, du coup, tu euh, es en train de regarder et figurez-vous que. Euh, on va aller même encore plus loin parce que on va, on va prendre juste une, une nuit d'hôtel euh, le jour où on va arriver à l'aéroport. Et après, en fait, ben, rien du tout. Nous allons, comment dire, faire une nouvelle expérience. Autant dire que ça, vous m'auriez dit ça il y a six mois, c'était pas possible. Nous allons ben, nous allons euh, naviguer on va checker les points où on veut aller. Et sans savoir où on va dormir, on va tout faire à l'arrache et on va faire surtout en s'écoutant. Voilà, comme ça, si on veut rester à des endroits, on reste à des endroits. Euh, S'il y a un endroit, ben nous, en fin de compte, on ne veut pas y rester, ben on part. On n'a plus aucune contrainte. Vous voyez le truc bon, Ça demande de lâcher sévère. Hein ça demande de lâcher, euh, lâcher plein, plein de trucs. Hein Là, du coup, euh, on va y aller en mode, en mode route. Ça va m'entraîner pour le Tour du Monde parce que vu comment se profile le Tour du Monde, ça va être un sacré truc, ça aussi. Donc, bref, voilà, ça c'était le truc du tuk-tuk. Ouais, grandiose, le kiff. Ouais, et puis moi, déjà, je me mets dans l'énergie de vous faire des lives. <laughs> de vous faire des lives au Sri Lanka, sachant que ça va me demander de sortir de ma zone de confort et d'aller chercher des ressources pour dépasser tout ce qui va se présenter. Je serais très contente de vous partager tout ça. Parce que ça va être ça va être grandiose en, en je vais grandir en trois semaines quelque chose de d'énorme hein, voilà et puis faire ce voyage en conscience c'est le top donc voilà Sri Lanka et puis euh, les Maldives et eh ben figurez-vous que pareil je me laisse guider et que ça me met ça me tombe ça me fait tomber sur des trucs j'adore hein. euh, je trouve euh, des billets d'avion pour faire Sri Lanka Maldives 400 euros moins cher que ce que j'ai trouvé jusque-là. Et là, je me dis, oh, c'est incroyable. Et puis là, je commence à rentrer les, les données. Vous savez, il faut rentrer nos données pour prendre les billets d'avion. Et là, ça demande des numéros de passeport. Et là, je dis, mais j'ai pas les passeports, puisque. Euh, Arnaud et les enfants, ils n'ont pas encore leur passeport, donc je ne peux pas prendre mes billets d'avion. Alors il y a un mental qui dit Ah, ben bah oui, mais alors comment tu vas faire Parce que dis donc, là il y a 400 euros de moins quand même, c'est pas négligeable. Chut Va dans ton petit hamac, prends un jeu de coco et tranquillou bilou. Voilà. Et donc je fais confiance, je sais que j'ai un un, un un endroit où ça coûte 400 euros de moins. Et je fais confiance à plus grand que moi que ce sera encore disponible quand les passeports arriveront. je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Imaginez-vous que les passeports, ils arrivent. Non, mais c'est pas possible. Euh, les passeports vont bien arriver. Euh, voilà, donc ça, c'est pour le Sri Lanka et les Maldives. J'ai trouvé aussi, ça... enfin, j'ai trouvé. Pas... Je sais que ce n'est pas moi. C'est qu'on me met, on me donne toutes ces informations. On me... on me met sur des trucs. Je tombe sur, je prends tout par booking, hein, normalement. Et là, ça me met... Un truc halal, booking. <laughs> je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? <laughs> Et en fait, ça me met pour le même prix que booking. En fait, les mêmes prestations, mais euh, sur des demi-pensions. Donc, j'ai la demi-pension pour le même prix. Parce qu'en plus, au Maldives, je vous explique pas les tarifs. Hein, ça coûte juste une blinde. Et là, je dis, euh, oh, mais merci vraiment. Euh, un truc de ouf. Donc voilà, quand on lâche, on est tellement guidé. Voilà, donc euh, là, c'était des cadeaux financiers aujourd'hui, au-delà de ça. Et puis au-delà d'un cadeau financier, parce que je pars à hein, moi. Et il y a mon petit flocon. Parce que mon petit flocon, quand il y avait personne là, sur le week-end dernier, bah, ça a été très compliqué pour lui. Monsieur petit flocon, mon petit chaton, c'est une boule d'amour. Qui donne, qui donne, qui donne, mais elle a aussi besoin de recevoir. Et donc du coup, euh, moi je me dit je, je dit je peux pas, on peut pas laisser la maison à moi euh, flocon tout seul, c'est pas possible, c'est pas possible ce petit flocon, il a tellement besoin d'amour et tout. Et euh, en fait, je cherchais quelqu'un. Et puis il euh, y avait le mental qui s'activait un petit peu. Euh, et puis il euh, y avait un côté de moi qui disait, oh lâche Sophie, tout va bien se passer, il va y avoir quelqu'un chez toi et tout. Et puis euh, tout à l'heure ça me dit Fais un message à un tel alors j'ai fait un message je lui dis dis donc euh, je 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 réitère euh, la proposition euh, si tu as envie de venir à moi et tout euh, bah écoute euh, voilà c'est 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 la porte est ouverte, puis elle m'envoie un message elle me dit mais sophie en fait euh, moi je 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 t'avais dit oui euh, je n'osais pas revenir vers toi et tout, mais oui oui ah euh, oui, je viens et tout. Euh, ah je lui ai dit non mais merci 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 euh, euh, parce que notre maison <laughs> mais notre maison c'est l'extension de notre âme donc du coup euh, moi je laisse pas ma maison à n'importe qui je veux dire ma maison euh, euh, je veux dire c'est incroyable tout ce qui s'y passe euh, c'est pas une maison anodine je veux dire il euh, y a il y a plein d'équipes euh, je veux dire il euh, y a bon il y, y a des protections, il euh, y a des, des navigations d'énergie dans mon chez moi enfin je veux dire euh, c'est pas une maison banale non plus, hein donc je pouvais pas faire venir n'importe qui. Hein J'avais quand même des exigences. J'avais défini l'espace de qui, qui, qu'est-ce que je voudrais dans ma maison. Et bien, c'était exaucé, exaucé. Hein, vraiment la personne qui vient, je l'adore. Hein, voilà vraiment, je l'adore et c'est tellement parfait, en fait, c'est tellement parfait, euh, voilà, c'est un amour sur patte aussi, donc, euh, avec Flocon on va pouvoir se donner beaucoup d'amour, euh, et puis, euh, et puis, bon, c'est vrai que c'est un cadeau aussi de venir chez moi, parce que, parce que j'ai un point de vue absolument incroyable, euh, je suis à côté d'une forêt où il y a des fées, euh, des licornes, des elfes et tout, c'est une forêt, euh, voilà, donc comme ça, je pourrais aussi euh, mettre mes équipes avec elle, euh, voilà, enfin, euh, l'énergie des volcans d'auvergne c'est magnifique euh, bref voilà il y a une piscine enfin je veux dire en euh, quoi le peuple hein, euh, voilà euh, moi pendant un mois elle euh, est euh, elle est en vacances chez moi euh, euh, voilà, et moi je suis tellement contente euh, qu'elle puisse euh, venir à moi et, et pouvoir vivre à la maison. Et puis en plus, avec peut-être l'extension pour les un an, ou les un an elle peut venir aussi à la maison. Voilà, parce que je lui en ai parlé aussi. <laughs> voilà, donc vous voyez comme quoi, quand on lâche le mental et, et toutes ses peurs et ses croyances, tout arrive parfaitement. Nous sommes guidés et soutenus. Et moi j'adore, j'adore, j'adore partager tout ça. Parce que. Parce que c'est tellement ça, en fait. Euh, on peut vivre tellement de choses différentes aujourd'hui. Euh, et je vous, je vous vraiment, euh, chaque jour, je vous dis, c'est un nouveau feuilleton pour moi. Et je vous partage ce feuilleton, ce carnet de voyage vers le nouvel humain, parce que franchement, euh, c'est un truc de dingue. Alors, je reprends mes petites notes pour voir, euh, est-ce que je vous ai tout dit euh, Alors, ça oui, ça oui, ça oui. Ah oui, si, je voulais vous dire aussi, parce que ça c'est important, euh, euh, hier, ceux qui veulent le voir, c'est dans mon live d'hier, je vous ai partagé le soin Jenzo que j'ai fait. Euh, là, en fait, ce, que ce, que, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin et qui vont avoir besoin de soutien d'accompagnement dans leur libération. Euh, accompagner des libérations, ça demande vraiment euh, d'être déjà aligné, pas dans son personnage ni avec ses blessures, etc. Et aujourd'hui, il ben, n'y a pas une blinde de personne qui est là. Et euh, hier, par exemple, quand j'ai fait mon soin de Genzo, j'avais beaucoup de résistance, ça a été vraiment compliqué pour moi ça brassait beaucoup parce que, parce que bah, j'étais sur des, des strates de libération et aujourd'hui j'ai fait un audio à, à, à Céline qui m'a fait cette séance Genzu pour la remercier parce que euh, elle a su m'accompagner euh, dans cet inconfort elle a su capter les informations pour ensuite continuer la séance mais complètement différemment, ce qui était vraiment ce qui matchait avec moi et aujourd'hui euh, faire des libérations et en plus selon les libérations qu'on a à faire ça peut venir nous chercher dans des profondeurs abyssales très très fortes et qu'aujourd'hui si on ne sait pas aujourd'hui c'est savoir accompagner quelqu'un qui est en train de processer qui est en train de libérer et là on a des strates tellement profondes tellement abyssales tellement dark qui ont à, à jaillir et à émaner de nous que si la personne en face n'est pas en mesure d'accompagner, parce qu'il y a le process du rendez-vous, où on fait le rendez-vous, machin, puis il y a l'après. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois, ça se déclenche pas en séance, ça se déclenche après. Et s'il y a personne qui est là pour accompagner cet après, mais ça peut être complètement dévastateur et, 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 et catastrophique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me disais, mais c'est tellement important euh, de se faire accompagner avec quelqu'un qui va pouvoir accompagner le process global, parce que parce que ça, là, c'est intense qui remonte et ça peut être très déstabilisant. Et si la personne en face, elle est dans son personnage, elle est avec son mental, son ego, ou que ça vient lui déclencher des blessures, ou euh, si elle n'est pas dans son centre aligné, ah mais. Ça vient la déclencher et c est, c est, enfin, je veux dire, ça crée euh, des trucs complètement euh, tout pourris, quoi. Mais c'est expérientiel. Voilà, mais si on peut éviter ça, ce serait quand même génial. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager aussi. Euh, et et, et euh, l'espace du recevoir, l'espace du cœur, ça je l'ai fait. Donc j'ai tout fait. Formidable, je vous ai tout, tout, tout partagé. Donc beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'informations sur plein de sujets différents. Voilà donc euh, les énergies sont très intenses euh, voilà de toute façon on ne s'arrête plus hein, on est en ascension donc on y va on grimpe on grimpe on grimpe euh, l'objectif eh ben c'est de se libérer et libération égale allègement euh, et puis à un moment donné de connecter son nouvel humain, euh, ne plus être en effet dans sa dans une personnalité, ne plus être à partir du mental et de l'ego. Euh, dévier. Euh, moi, quand je parle de dévier, c'est que c'est les surentraînés là qui sont pas soutien, mais de revenir avec les parts de soi équilibrées, unifiées et originelles qui sont parfaitement soutiens et qui nous communiquent constamment des informations soutien euh, et du coup pouvoir vivre sa vie euh, complètement différemment. Euh, donc, ça veut dire aussi euh, tout ce qui est euh, à explorer sur le détachement, détachement de tout, détachement euh, euh, des, des liens euh, familiaux, détachement des liens relationnels, détachement euh, du matériel, détachement des lieux d'habitation, détachement de tout. Euh, on en partageait tout à l'heure avec une copine, en effet, où c'est euh, euh, faire confiance, en fait, et qu'on nous positionne toujours au bon endroit, au bon moment. Et que euh, bah, s'il y a des endroits où euh, ah, bah là ça coince, bah, c'est qu'on ne doit plus y être et qu'il y a autre chose qui nous attend. et, et quand vraiment on lâche et qu'on se laisse faire, ce qui nous attend est toujours plus grand en fait, euh, mais faut-il euh, en fait laisser ouvert la porte euh, plutôt que de s'attacher à quelque chose où on croit que bah, en fait quelque part bah oui, mais ça, c'est l'idéal, euh, mais sauf que il bah, y a peut-être quelque chose encore plus grand qui t'attend. Mais pour pouvoir y accéder, parce qu'on est en train de te tendre la main par, une, par quelque chose, ben, faut qu il faut qu'il y ait la porte ouverte, parce que si elle est fermée, ça ne marche pas en fait. Donc faire confiance euh, vraiment et, euh, et, et, et pouvoir vivre euh, où on est euh, réellement, profondément, dans une sécurité intérieure, euh, on est dans une liberté intérieure, on vient réouvrir les espaces euh, de pouvoir donner de l'amour de pouvoir en recevoir euh, sans être en insécurité, sans que ça touche à notre intégrité, sans que ça vienne toucher des, des, des espaces d'abus. Donc ça veut dire que tous ces espaces sont allés naviguer parce qu'ils sont fortement impactés. Donc le donner et recevoir au niveau de, de, de l'amour, mais pas de l'amour, pareil, biaisé, humain, 3D, l'amour inconditionnel hein. à un moment donné en fait il c'est quelque chose c'est à partir du cœur vibral c'est quelque chose qui se vibre, c'est pas quelque chose qui est euh, vous voyez tous ces espaces par exemple les, les, les émotions de jalousie tout ça mais ça n'existe plus en fait ça c'est des trucs de construction euh, qui sont là sur l'humain. Pour le mettre à l'extérieur, pour lui pour, pour le connecter à, à des émotions qui sont souffrantes, qui vous font baisser en vibration, euh, qui séparent l'humain euh, et en fait nous on vient se réunifier parce qu'on vivait en fait de, de, depuis des millénaires dans, dans, un, dans un système et nous à partir d'un être qui était vraiment dans la séparation dans la dualité globale de l'être et du monde et du coup ben, tout ça est en train de, de s'effondrer. Et donc ça se passe à l'intérieur de nous, donc le vivre bah, avec le plus de légèreté possible et euh, pour pouvoir l'émaner et le vivre à l'extérieur de nous, puisqu'après tout ce que l'on vibre à l'intérieur de nous se crée à l'extérieur de nous, ça s'appelle de la manifestation quantique, on manifeste dans la matière bah, ce que l'on vibre et donc bah, bien évidemment... Euh, ça demande d'aller visiter, visiter, explorer, transcender, déprogrammer et en parallèle reprogrammer, euh, entraînement, apprentissage de quelque chose de nouveau, relié à notre essence, à notre être originel et en effet ça s'entraîne de toute façon c'est pas juste comme ça, oh bah tiens je fais ça et après ça c'est terminé non, euh, ça demande vraiment euh, un chemin voilà, euh, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir moi Comment j'ai traversé ce chemin et tout ce que j'ai mis en place euh, pour en arriver là euh, et ce, ce carnet de voyage qui a débuté début juillet, ça n'a pas été un hasard parce que j'étais vraiment en pleine transformation de mon être. J ai, j ai, j euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont accompagné fortement euh, sur euh, pour euh, pour en arriver là, euh, mais j'en suis euh, voilà, c'est moi avec mes aussi mes entraînements. Euh, quotidien, non-stop, euh, qui m'ont permis d'en être là. Et puis après, on, on intègre, on incarne tout ça Il y a, et, et les choses se font avec fluidité, légèreté, simplicité, fun, joie. <laughs> voilà euh, Et on, on, on accède au nouvel humain, on transcende la souffrance euh, et on navigue plus du tout euh, euh, la vie de la même façon et on n'est plus du tout dépendant de l'extérieur, de quoi que ce soit. Euh, et surtout, on se sent en sécurité à l'intérieur de nous, parce que ça, c'est des espaces extrêmement abîmés euh, pour tous ceux qui marchent ce chemin de conscience. Ces espaces d'insécurité, ces espaces de peur, ces espaces vraiment, où, parce que bah ils ont été, euh, ils ont été souillés, ils ont été abusés, ils ont été euh, impactés fortement. Et ça demande d'aller les visiter, les explorer, pour euh, transcender tout ça et pour retrouver cette des magnifiques sécurités intérieures, voilà, et, et pour vivre complètement différemment après euh, naviguer euh, une nouvelle vie à partir de son être originel. Voilà les amis, donc sur ce je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, demain il y aura le tirage oracle sur l'Académie des femmes lumières, petite guidance à partir des oracles, avec la réponse dimanche, voilà, et un nouveau live demain. Merci à tous d'être là et euh, n'hésitez pas à partager n'hésitez pas euh, voilà à, à mettre des commentaires à que ce soit en voilà en live en replay en message privé pour ceux qui qui se sentent pas de déposer comme ça. Euh, C'est un vrai plaisir de, de partager, d'avoir aussi vos retours euh, sur ces lives euh, parce que ben on grandit ensemble en fait. Hein, C'est pas euh, euh, voilà. Merci ma Véronique d'amour, Véronique qui a fait le tableau derrière, Véronique grande grande créatrice avec l'univers. Vous pouvez lui faire faire des tableaux. Un truc de dingue, ce sont des arts vibratoires et le tableau est plein de codes, voilà, et qui vont être de grande contribution pour la libération de votre être. Voilà, allez au spécialiste et connecté avec l'univers et ce qu'elle crée est absolument incroyable voilà, donc sur ce, sur la petite pub de Véronique aujourd'hui voilà, de plusieurs, moi je fais beaucoup de pubs pour beaucoup de gens hein, je suis une connectrice aux dames, hein, voilà euh, donc du coup, euh, voilà c'était la petite pub des jour. sur ce, bonne soirée et à demain pour un nouveau live bye, plein de bisous et merci pour les cœurs